Bonjour YouTube! Allez, aujourd'hui c'est du bras de fer, c'est le bras de fer qu'on avait déjà fait il y a un certain temps. La bataille de Dol Baral, dont la bataille de la RNG, parce qu'à chaque fois qu'on invoque une créa, alors on gagne un sort aléatoire gratos. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, regardez, Blizzard avait vraiment envie que je fasse du guerrier, parce que j'ai eu trois quêtes. Guerrier, donc du coup, voilà, bah, je fais du guerrier. Hein. Et je me suis dit, bah, on va pas se péter la tête, on va se prendre du pirate. Donc, bah voilà, j'ai pris quoi? Les boucaniers, les matelots, les neneuils, les seconds, les finlegs. J'ai rajouté les canons parce qu'on est en wild. J'ai quand même mis deux haches parce que c'est important d'avoir des armes dans ce deck. Les mousses, les adeptes, berserker. J'ai rajouté un capitaine, j'en ai qu'un. Singe féroce, corsaire. Une fabricante d'armes pour rajouter des armes parce que j'ai pas mis d'armes late game. Un lanceur de haches pour mettre des petits dégâts un peu comme ça. Deux croncrons, un Leroy. Le mastodonte de fer pour le fun parce que j'avais cette légendaire. Un destructeur de psyène, histoire d'avoir un tour 7. Voilà, et c'est parti. C'est parti. Melee. Ok, c'est dommage. Alors, est-ce que c'est un match tempo? Match tempo qui est vraiment dégueulasse, hein, je veux dire, avec tous les sorts qu'on récupère. Juste à attendre de faire des sorts et on écline tout. On va juste aller chercher au moins des tours 1 et tours 2, quoi. Ouais, super, j'ai deux armes dans mon deck et voilà, ça commence bien, super, la main parfaite, on pourrait même concede direct quoi, non je déconne, c'est une main à concede ça, hein. Ouais, je le mets parce que j'ai clairement envie de mettre mon matelot au prochain tour. Voir mon canon pour le protéger, mettre mon matelot plus le neneuil juste après. Ok, espérons qu'il n'ait pas chopé. Oh. Je crois que j'ai vraiment pas de bol là, sur ce tour. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, j'ai pas grand-chose à faire. Mis à part faire ça. Il va taper dedans, au pire, il prend des dégâts. Ok, je pourrais invoquer ça, mais ça sera une 2-3. Ça sera assez chiant. Est-ce que je le trade ou est-ce que je vais face? Je pense que j'en ai rien à foutre, je veux dire. Au niveau de comment le jeu me taunt, je pense que le mec, il va réussir à le clean, quoi. Ouais. Ok, ça passe. Ok, d'accord. Mais non, ça passe pas. Mais le mec, il met ça dans son deck alors que c'est un jeu où on met que des... Bon, tant pis. Tant pis. Non, le Trog est fort, prochain tour. Le Trog est très pénible. Tu fais pas beaucoup de value avec les sorts, donc dans un certain sens, bon, nous on s'affiche chier parce qu'on a nos deux armes, mais globalement là, et c'est à moins qu'il ait mis des boules de feu, des choses comme ça, là on est plutôt bien avec notre 4-6 là. Ok, morsure, bon, c'est pas ouf. On pourrait ressusciter quelque chose, est-ce qu'on a vraiment envie de ressusciter tout de suite? Je pense que non. Je pense qu'on a envie d'attendre que notre 4-6 meure, potentiellement la remettre en jeu. Ok, c'est bon. Si t'as pas de call clean, c'est parfait. Ok, ben nous on va continuer. Je pense qu'on va faire ça. Et voilà, parfait. C'est pas terrible, mais bon, parfait. On va faire ça. Ouais, je pense qu'on peut même faire ça. Ok. J'ai pas l'étal, non, je pense pas. On va faire ça juste pour garder. Ok, bon, on va pas faire beaucoup de value. Je pense qu'on est bien là. Il faut qu'il clean la 6-6. Hein. On est plutôt bien. On va dire ça avec deck de merde. Hein. Ok, la boule de feu, top deck. Mais c'est pas grave, ça coûte trop cher. Normalement, tous les sorts sont gratos.
Donc globalement, bah là, tu es obligé de ping, en fait. Dès que tu fais un sort, ça va devenir énorme. Ok, c'est cool. Alors, c'est, si ça tombe bien, ça ne meurt pas. Voilà, c'est bien. Ouais, admirable. Hey, hey, hey. Bon, bah voilà, une petite partie, deux quêtes qui sont là et trois victoires. Donc, c'est pas mal, c'était assez cool. Bon, je vais m'arrêter là. C'était juste pour faire la petite vidéo de ce bras de fer qui est pas génial, qui est vraiment en top deck. Je fais n'importe quoi. J'aurais bien aimé qu'on aille un peu plus loin, mais c'est tellement RNG que je voulais faire ça vite et surtout je voulais en profiter pour faire mes quêtes. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère beaucoup plus intéressantes. On va faire de l'arène un peu bientôt. Allez, ciao.